L'instant de ces deux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La planète des singes, le 3 qu'ils ont appelé guerre pour la planète des singes. J'aime bien ce film-là. J'ai pas vu tous ceux qu'il y avait au tout début, donc avant la nouvelle trilogie qui refasse, avant le reboot qui refasse, je les ai pas vus, je les ai traversés vite fait en diagonale. Très rapidement, en passant par la face ouest. Ouais, je sais pas quoi penser. J'aime bien. Ouais, ça va se voir au cinéma. Ça peut aller se voir au cinéma. Ouais. Deuxième trailer. Dans le premier, qu'est-ce qu'on avait dans le premier? On avait. Ouais, on voyait juste qu'il allait y avoir des gorilles aussi du côté des humains, apparemment. Et ouais, tout seul de leur côté. On va voir ce qui va se passer. Ah, et je crois qu'on a l'acteur que j'ai oublié, qui est dans le film Red. R.E.D. hein, pas Red. Bref. On va voir ce que ça donne. C'est parti! Green, je sais plus quoi. He's a smart one, isn't he? What are you gonna name him? Do they look like just apes to you? He saved our lives. He was remarkable. Apes, apes, together! Strong, strong! You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long. I do not start this war. I fight only to protect apes. Human gets sick, ape gets smart. Then human kill ape, but not me. I run. There are times when it is necessary to abandon our humanity to save humanity. You say eventually you'd replace us. That's the law of nature. So look what you have done. What did the humans promise you? No matter what you do, you'll never be one of them. You are. We are the beginning! Apes, together! We are the beginning! Apes, together, strong! Have you come to save your apes? I came for you. Forcément, les mecs. Putain, mais sérieux, entre le début avril et juillet, et il y a tout qui sort, quoi. Putain, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, je dirais ouais. De toute façon, je kiffe, en fait. T'as une vraie histoire derrière ça, donc à partir de là, c'est bon. J'aimerais bien, d'ailleurs, qu'ils fassent un jeu sur la planète des singes. Genre un jeu où t'incarnes un... Ouais. Ouais, ça peut être bien, un truc où t'incarnes un chimpanzé, tout ça, tout ça. Non, ça peut être cool, ça peut être cool. Non, je sais pas quoi dire dessus, en fait. Pour moi, le film est nickel, quoi. C'est parfait, en fait. Je kiffe ce genre d'histoire. J'avais aimé le premier, j'avais encore plus aimé le deuxième. Donc, normalement, le troisième sera mieux. J'ai vu qu'il y a des gorilles du côté des humains. Par contre, ils avaient un genre de truc cérébral là, donc je pense qu'ils soient soit contrôlés ou voilà. Maintenant, le seul problème, c'est que vu que c'est un remake des trois premiers, l'histoire est obligée de se passer de la même façon. Donc, on sait entre guillemets comment le troisième va finir, quoi. C'est ça le truc. Donc, on essaie juste de voir comment ça va finir, du coup. Non, en tout cas, je kiffe. C'est vraiment un film que je kiffe. César, au top.
Je sais pas qui fait la voix de César. Je sais que j'avais vu, je crois, Behind the Scenes du premier et du deuxième. Ouais, c'était des humains en habits, vous savez, les habits noirs. J'ai plus le nom, les habits noirs avec les points blancs pour pouvoir refaire le modèle en 3D. Et ce sont apparemment, alors c'est apparemment deux personnes qui font les voix. En tout cas, très bon travail, les mecs, hein. Vraiment, ils font ça proprement, c'est nickel, quoi. Je vais voir ce que ça va donner. Je kiffe par contre la gestuelle des chimpanzés César, son groupe, tout ça. Je kiffe leur gestuelle, leur façon de parler, de bouger et tout, c'est nickel. Et comme il a dit, apes, together, strong. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va aller se voir au cinéma, je pense. De même, de façon certaine. De façon sûre. C'est Lost Peace!